Salut à tous, bienvenue sur Cars Effect. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous présenter cette magnifique BMW E90 qu'il y a derrière moi. C'est parti. Donc là, voici. Donc on est sur une BMW E90 moteur du coup 3 Vendée. C'est le 163 chevaux. Très très bon moteur, assez fiable. Et on est sur la génération des moteurs M47. Donc c'est le code moteur. Vous avez les N45 qui avaient des soucis de tendeur de chaîne pour les modèles à partir de 2007 jusqu'en 2009 ou 2010 il me semble. Donc je préconise vraiment de prendre les premières générations. Celle-ci est de 2005 et elle n'avait pas ce souci là. Les moteurs sont très très fiables. Alors ce qu'on peut voir ici, voilà, ce sont les jantes d'origine en 16 pouces. Alors c'est pas très très gros 16 pouces, c'est vrai qu'en 17 ce serait pas mal, mais j'aime bien le style des jantes qui rappelle un peu les jantes pack M de l'époque. C'était un peu le même design. Du coup, je les valide. Je ne vais pas forcément les remplacer. Parce que j'aime bien un peu le style. Au niveau des feux ici, on peut voir cette forme. Donc après, je vais apporter quelques modifications dans une prochaine vidéo. Je vous en parlerai plus en détail. On peut voir également ce pare-choc avec les anti-brouillards ici incorporés directement. Avec les petits caches ici. Alors c'est pas du nid d'abeille, ça fait plutôt grillagé en plastique. La calandre ici, donc là il me manque le logo. C'est vrai que c'est pas très très joli sans le logo. La calandre ici couleur chrome qui va passer couleur noire en double lame. Là on est sur des lames simples. Voilà. Donc là on peut voir également l'aile sur le côté avec les clignotants latéraux qui sont pas en très très bon état sur celle-ci, qui ont été remplacés également. Couleur noire en full LED en fait. Voilà, ça fera un petit trait lumineux lorsqu'on mettra le clignotant. Les coques de rétroviseur qu'on peut remplacer également avec des types M, je vous montrerai avec ici le petit triangle qui arrive pour apporter un peu de sportivité. Donc au niveau de l'arrière, ce qu'on peut voir c'est ces feux ici qu'on peut remplacer également avec des types M pour retirer la partie ici couleur orangée, mais j'aime bien. Après ça apporte un style et puis ça fait un effet un peu young timer un peu à l'époque. Voilà, j'aime bien un peu aussi les voitures on va dire plus traditionnelles. C'est bien de mélanger les deux, mais pas forcément faire uniquement que du tuning en modernisant la voiture avec des trucs à LED et tout. C'est bien de garder quand même l'esprit aussi d'origine du véhicule. Enfin, ça c'est en évoluant, parce qu'à l'époque j'aurais changé les feux, j'aurais tout fait. Là maintenant voilà, je suis un peu plus soft. Donc voilà, moteur 3 Vendée. Bon, il manque quelques petits trucs. Là, il me manque le petit cache que je vais trouver. Ici, un petit pet ici. Mais c'est vraiment la seule chose qu'elle a. Parce qu'après, tout le reste est propre. Un petit béquet peut-être discret ici. Là, en lame 3M, pardon. Que je vais coller ici tout le long. Soit en carbone ou couleur noire. Plutôt noir, je pense. Vu que je vais mettre la calandre noire et les coques noires de rétro. Voilà donc pour l'extérieur. Véhicule plutôt sympathique pour l'année. Hein. On est sur un véhicule de 2005, je rappelle. Et puis assez bas également en termes de sportivité, c'est vraiment pas mal. C'est une voiture que j'ai déjà eu à plusieurs reprises. J'en avais une noire, une couleur champagne. C'est de très très belles voitures et très très fiables. Et niveau confort, c'est vraiment parfait. Donc au niveau de l'intérieur, un volant 3 branches avec les commandes au volant, plutôt sympa. Le petit pommeau ici qui a été remplacé. Je pense qu'il n'est pas d'origine, il y a le petit sigle M, mais qui lui va très bien. La console centrale ici, comme vous pouvez le voir. Un intérieur tissu, donc pas de cuir sur celle-ci, mais c'est pas si mal. Au moins, il n'y a pas trop besoin d'entretien sur ce type d'intérieur. La coudoir centrale qu'on peut voir également au milieu ici, couleur cuir. Voilà, un intérieur plutôt sympathique. Au niveau de l'arrière, c'est plutôt spacieux. On a vraiment la place pour les jambes. C'est vraiment sympa. Ensuite, je vais vous montrer d'ici. Hop. Voilà, le volant ici avec le compteur typique des BMW. Hein, commande volant ou autre. Ici, on a le tableau de bord avec ce petit rappel gris sur les poignets et sur les portières également. Vraiment un intérieur sobre, mais très bien réussi avec le sens du détail. J'aime beaucoup l'intérieur chez BMW, puis la conduite aussi. On s'y sent vraiment confortable et en sécurité. Alors, niveau moteur, pas grand chose à voir avec ce grand cache moteur. Si ce n'est, voilà, c'est un moteur... donc de BMW 320D de 2005, code moteur M47, je rappelle, c'est le moteur le plus fiable de la gamme pour moi. On évite les N47 au maximum sur ce type de véhicule. Et voilà, le moteur développe 163 chevaux. Je vous mets les caractéristiques sur le côté.
Donc c'est parti pour l'essai routier. Alors sur le moteur, en fait, le 320D en 163 chevaux, c'est beaucoup plus coupleux, ça a pas mal de reprises. Là, on va faire une accélération. Voilà. Et en deuxième, elle tire vraiment bien. En fait, à la deuxième, vraiment, on se lance quand on appuie. On sent vraiment le petit coup là. Je dirais même que c'est beaucoup plus coupleux que les véhicules essence. Du moins à bas régime, ça part vraiment bien. Et quand on monte en fait en haut régime, ça coupe pas forcément. En fait, ça continue à pousser sur des véhicules. Moi, j'ai fait l'expérience. J'ai eu plusieurs véhicules sur l'Audi TT par exemple. Elle va vraiment pousser à bas régime, c'est-à-dire on va monter en deuxième à 2000, 2005, 3000 tours. Et après, ben c'est plus linéaire. La BM, on a l'impression qu'elle continue et qu'elle continue encore à nous mettre un petit coup derrière pour avancer. Donc ça, c'est vraiment pratique. La 318, j'en ai eu plusieurs des 318. Alors c'est bien parce que voilà, c'est des moteurs aussi fiables, les M47. Mais au niveau de la puissance, ça manque un peu, notamment pour doubler par exemple. Vous voyez, moi là, j'accélère. J'ai pas mal de reprises avec le 320D. Et c'est plutôt sympathique parce que c'est la première en fait 320D que j'ai en E90. J'ai jamais eu ce moteur et je le trouve très bien niveau puissance parce que la voiture est assez lourde. Je pense qu'on dépasse les 2 tonnes même avec ce type de véhicule. Je sais plus à combien on est, je vais vous l'afficher ici là sur la vidéo. Mais du coup en fait au niveau du poids, voilà, il faut quand même un peu de puissance. Et le 318 c'est un peu juste. Après tout dépend de l'utilité, voilà, mais en tout cas voilà, le 320 pour moi c'est vraiment le daily idéal pour ce type de véhicule. Je partirais plus sur une 320 qu'une 318 pour avoir fait l'expérience sur les deux types de moteurs. Voilà, la 320, il y a un peu de puissance et puis on sent que voilà, il y a de la reprise, il y a de la pêche, c'est intéressant en fait, c'est coupleux. Au niveau conduite, vous voyez, on est vraiment bas, hein. C'est vraiment sportif comme conduite. Et en même temps, avec le 16 pouces, on est quand même sur du confort. Les pneus, quand même, ils amortissent pas mal. Voilà, donc après, en sachant qu'en plus là, on est sur du run flat, donc le run flat c'est un peu plus rigide. J'aime pas trop le run flat, moi à la base, on perd quand même en confort. Je pense que les prochains pneus que je mettrai sera des pneus classiques et il y aura des bombes anti-crevaison dans le coffre. Parce que du coup, il faut savoir, il n'y a pas de galette ou route de secours sur ce type de véhicule. Mais voilà, après, on est assez bas et c'est une conduite assez sportive quand même. Mais voilà, moi j'apprécie et j'aime beaucoup ce véhicule parce qu'il est pratique déjà. Et puis il y a pas mal d'espace aussi, quand on a des enfants ou autre, c'est hyper pratique. Voilà pour cette vidéo, en espérant que celle-ci vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser vos commentaires. Je rappelle également que si vous voulez soutenir la chaîne, il y a les Super Sphinx qu'on voit juste en bas en fait. Il est super mon anglais, sur Super Sphinx j'ai dit. Le Sphinx, tu sais, le truc d'Égypte. Super, on dit thank you, oui, pour dire merci. En même temps, j'ai eu 2 sur 20 au bac en anglais. Et j'ai eu mon bac quand même. Mais bon, je vais pas vous apprendre l'anglais quoi. Mais voilà, du coup en fait en dessous de la vidéo vous avez un petit onglet avec écrit merci. C'est plus simple à dire pour moi. Voilà, vous pouvez donner la somme que vous voulez, 2, 3 euros, 500 000 euros si vous êtes millionnaire, il n'y a pas de souci. Enfin voilà, ça permet de soutenir la chaîne et de donner un petit coup de pouce pour les futurs projets. Voilà pour cette vidéo et n'hésitez pas à vous abonner, à laisser vos commentaires. Si vous avez des questions sur le véhicule ou autre, n'hésitez pas à laisser vos questions dans les commentaires. J'y réponds souvent, je réponds quasiment à tous les commentaires. Donc voilà, je vous dis à bientôt sur Cars Effect. Salut.